Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Alexandra Madiot, éducatrice sportive de Génération Fitness. Dans cette vidéo, je vous propose un cours de gym d'entretien tel que je le propose avec mes élèves du jeudi matin. Donc le jeudi matin à Cherway, en général, j'ai un premier groupe d'élèves qui ont grosso modo entre 60 et 70 ans et j'ai un deuxième groupe plutôt 70-80 ans et puis aussi mes jeunes adultes handicapés du foyer du Mascaret. Donc du coup, le premier groupe, je le fais moins avec le deuxième groupe, et souvent avec le premier groupe, je propose une séance où on alterne une petite chorégraphie cardio avec des exercices de gym sur le début de la séance et on fait la deuxième partie au sol pour les fessiers et les abdos. Donc c'est cette séance type-là que je vous propose dans cette vidéo. Sinon aujourd'hui, vous verrez, je suis en orange. Le mois de janvier, c'est le mois où je ressors mes tenues des années 2000. Donc je suis habillée très très colorée, donc aujourd'hui c'est orange. Allez, on y va? Allez, sur ma droite, sur ma gauche. Sur la droite et sur la gauche. Encore. Sur la droite et sur la gauche. Encore. Hop. Allez, maintenant je vais de chaque côté. Je regarde à droite et à gauche. Alors, je vous rappelle que sur notre chaîne YouTube, il y a donc une playlist gym d'entretien. Nous sommes au mois de janvier. Je vais devant. Si vous n'avez pas fait trop de sport pendant les fêtes, attention derrière. Vous commencez par reprendre la première vidéo de gym d'entretien. Celle où je porte le t-shirt jaune, le polo jaune, on enroule les épaules. Celle où je porte le polo jaune du club gym dans ce loisir de Cherway. Ensuite, vous me reprenez la séance avec le bâton, le manche à balai. D'accord ? Ensuite, il y a une autre séance que je vous ai proposée où on fait sans matériel, d'accord? Et vous faites cette séance-ci qu'en quatrième séance, d'accord? Vous commencez pas par celle-ci, sinon c'est trop difficile. Allez, je reste ici, je nage le crawl, le dos crawlé, allez, hop, allez en arrière. Voilà, on vient toucher son oreille. Allez, hop, hop. Allez, je reste ici, je pousse sur les bras de chaque côté, encore. Allez, je reste ici, maintenant je pousse sur mes mains, allez, je chauffe ses poignets. Allez, vous attrapez vos doigts, tourne. Il faut faire un petit peu de place hein, pour cette séance-ci. Allez, le bassin, un petit peu de place parce que comme on fait notre petite chorégraphie, il faut qu'il y ait de la place. Allez, je fais des tours, je vais sur le vent, sur la droite et sur l'avant. Allez, je change, sur la gauche et sur l'avant. Allez, vous restez ici. J'échauffe ma hanche. Allez, je monte le genou bien haut. Encore. Hop. Allez. Hop. Oh, allez. Bien haut le genou. Bien haut, vous échauffez sa hanche. Je reste ici, le genou à l'intérieur. Allez, le genou à l'intérieur. Maintenant, je tourne sur ma cheville. Et je change de pied. Allez. Allez, je reste ici, je serre. Je vais un tout petit peu à droite et à gauche. Hein. Vous ne poussez pas trop fort. Juste un petit mouvement légèrement sur le côté. Je monte sur mes orteils et je décolle les talons. Ah, et vous voyez, en même temps, regardez, je peux engager les bras. D'accord? Comme si je faisais de la marche rapide. J'engage les bras. Encore. Allez. Vous restez ici. Et je glisse à droite et à gauche. Allez. Step touch. Droit. Gauche. Droit. Gauche. Encore. Hop. Hop. Allez, vous continuez comme ça. Maintenant, vous en faites deux. Deux à droite, deux, et deux à gauche. Encore, allez, deux, toujours, deux, voilà, deux, encore, hop, hop,
Allez, je reste ici. Regarde, je joue au foot. Je fais un kick et un kick. Voilà, génial. Pousse sur le ballon. Encore kick, kick. Voilà, très bien. Allez, maintenant, je fais le Madison. Madison, hop. Encore. Voilà, c'est très bien. Toujours. Vous souriez, j'espère, à la maison. Allez, on repart. Step touch. On enroule ses épaules en même temps. D'accord? Allez, maintenant, deux. Et deux. Encore, regardez, je tourne mon bras. Allez, tout de suite, je joue au foot. Kick, je pousse mon poing. D'accord? Je pousse mon poing. Et maintenant, le Madison. Et là, attention, tape dans ses mains. Allez, encore, ça vous connaissez normalement. Je repars, step touch les épaules. Allez. Allez, on double, on double. Donc quand je vais à droite, c'est bras droit. Quand je vais à gauche, c'est bras gauche. Normalement, c'est logique. Allez, coup de poing. Boum, boum. Et en même temps, je joue au foot. Allez, le Madison. Je rajoute encore, on fait pony pony, vous vous souvenez, ce sont les pom-pom girls. Ça fait saute à droite, saute à gauche, saute à droite, saute à gauche. Encore, encore. Allez, ça fait 1 et 2, 1 et 2. Voilà, on saute de chaque côté. Allez, vous me rajoutez grapevine, croise et talon-fesse. Encore, encore. On ouvre, derrière et talon. Ça, tout le monde connaît, on l'a fait 500 000 fois. Allez, tout de suite, on repart de début les épaules. Step touch. Encore. Maintenant, double. 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 Encore. Allez, le kick. 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 Et le Madison. Les ponies. Ponies. Regardez, je fais les pom-pom girls, je mets mes bras en haut et en bas. Et maintenant, grapevine. Je passe mes bras derrière la tête. Je fais un soleil. Je passe mes bras derrière la tête. Allez, on repart tout de suite. Step touch, les épaules. Allez. Encore. Allez, tout de suite, vous doublez. Je vais à droite, bras droit. Et l'autre bras, je tire dessus l'autre bras. Je le tends. Je l'engage. Kick. Allez. Woup. Woup. Encore. Et le Madison. Madison. Et Madison. Encore. Et Pony. En haut. En bas. En haut. En bas. Encore. En haut. En bas. Et grapevine. Derrière la tête. Et un soleil. Derrière la tête. Et un soleil. Et regarde talon fesse. Connaissez talons fesses. Encore. Allez, je rappelle que quand on fait des talons fesses, on monte bien les talons jusqu'aux fesses. Hein. On ne fait pas un petit truc comme ça où on ne fait pas d'effort. Hein. Faut transpirer. Je rajoute, je chasse. Chasse. Et chasse. Encore. Chasse. Et chasse. Encore. Chasse. Allez, vous avez vu, je lève la patte à chaque fois. Encore, du début. Step touch. J'enroule mes épaules. Toujours. Allez, je glisse. 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 Et kick. Kick. Encore. Madison. Allez, Madison. Encore. Et je repars, Pony. J'ai pas dit. Encore, Pony. Et grapevine. Grapevine. En haut. Encore. Et talon fesse. Et regarde, je pousse une main devant. C'est la main de la jambe qui lève. Chassez. Lent. Alors ça, on l'a déjà fait. On envoie les bras sur le côté puis vers le bas. Sur le côté puis vers le bas. Step touch. J'enroule mes épaules. Encore.
Je double. Allez, je tire sur mon bras. Encore. Le Madison. Quoi? Les pom-pom girls. Est-ce que vous retenez ma chorégraphie? Grapevine. Grapevine. Oh. Grapevine. Oh. Talons en fesses. Allez, le bras qui pousse devant, c'est le bras de la jambe qui lève. Chassez. Chasse. Chasse. Encore. Chasse. Alors, si ça va, là, vous sautez. Début. J'enroule. Dernière fois. Ah, méfiez-vous parce qu'avec moi, c'est toujours la dernière. Vous savez bien. Allez, je double. Un. Deux. Un. Deux. Encore. Un. Deux. Kick. 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 Madison. Voilà, c'est bien. Allez, en haut, en bas, en haut, en bas. Hop. Grapevine. Là-haut. Grapevine. Tout de suite, talons en fesses. Allez. Encore. Et chasse. 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 Et restez. On ouvre ses pointes de pied. Vous mettez ça dans un petit coin de votre tête. Pointe de pied vers l'extérieur. J'aspire mon nombril. Je me redresse. Les épaules en arrière. Ma ceinture, deux crans de plus. Les mains sur les hanches. Je descends. 1, 2, 3, 4. Je remonte. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Je remonte. D'accord, on fait en quatre temps. Encore. Descends. Et je remonte. Alors, vous souvenez les squats? J'inspire. Et je souffle. OK? Allez, maintenant, deux temps. Descends. Et remonte. Vous gardez le sourire. Hein? Descends. Et remonte. Encore. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Encore. En bas. En haut. En bas. En haut. Encore. J'inspire. Je souffle. Encore. En bas. Allez, on accélère. En bas. En haut. Allez, on s'accroche. Alors, si vous êtes en forme, je descends les fesses à hauteur des genoux. Les fesses à hauteur des genoux. Si vous êtes plus fatigué, vous êtes moins en forme, vous êtes plus âgé, vous me faites des demi-squats. Vous voyez, je ne descends pas à hauteur de mes genoux. Je descends moins bas. D'accord? Par contre, on reste bien. Le regard fixé loin devant. Les talons bien enfoncés dans le sol. La ceinture trop serrée. Et vous souvenez, il ne suffit pas d'aspirer le nombril. Il faut aussi serrer le périnée. Hein? Je serre le périnée comme si je me retenais de faire pipi ou de faire un pet. C'est important. Sinon, vous allez pousser... Poussez les viscères dans le bassin. On ne veut pas de ça. Allez. Hop. Allez, redressez-vous. Allongez la nuque. Étirez la colonne vertébrale. Encore. Voilà, c'est très bien. Un peu plus difficile. On reste en bas. On reste en bas. On met ses mains devant. Et là, on essaye de décoller les talons. Un talon après l'autre. Allez. Je décolle. Alors, plus vous êtes en bas, mieux c'est. Plus vous avez les fesses à hauteur des genoux, mieux c'est. Encore. Allez, on continue. Vous pouvez avoir les mains devant comme moi. Vous pouvez avoir les mains sur les hanches. C'est vous qui voyez. Mais il faut descendre. Si vous êtes en haut, ça ne travaille pas. Et nous, on veut que ça travaille. Allez. Encore. Allez. Hop. 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 Et remontez. Talons fesses pour dégourdir un petit peu les cuisses. Allez, talons fesses. Voilà. Encore. Allez, dernière fois. Vous restez ici, vous tendez vos bras, je ferme et j'ouvre. Hop. Alors la respiration, c'est en même temps que l'ouverture et la fermeture de cage. Donc, vous voyez, j'ouvre la cage, inspire, je ferme, je souffle. Inspire, souffle. D'accord?
Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Ah, alors toujours pareil. Ne restez pas voûté. Redressez-vous. Abaissez vos épaules. Étirez la nuque. Et toujours la ceinture trop serrée. Et toujours le périnée engagé, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est valable tout le temps, tous les jours. Pour aller faire vos courses, pour faire votre ménage, pour faire votre marche à pied. J'aspire le nombril, je serre le périnée, j'étire ma colonne, je sors la poitrine. Hein, j'ai eu l'occasion de vous le dire, on peut marcher hein, avec les mains dans le dos s'il faut. Hein. D'accord ? Il faut naturellement se muscler. Déjà, ça fait une bonne partie du boulot. Ça vous fera économiser quelques séances de sport si déjà vous travaillez bien votre posture quotidiennement. Allez, attention, on reste ici et en bas, en haut, en bas, en haut. Alors là, je vous propose de souffler quand vous montez. Si vous faites l'inverse, c'est pas grave. Là, pour le coup, les bras vont redescendre tout seuls. Donc l'effort, c'est quand vous montez. Hop. D'accord, donc c'est bien de souffler quand vous montez. Voilà. Si vous voulez que ce soit plus difficile cette séance, rien ne vous empêche d'attraper des petites haltères dans les mains. D'accord, vous attrapez des petites haltères ou deux petites bouteilles d'eau, hein, deux petits poids dans les mains hein, qui vous permettent d'intensifier la séance. Hein, pareil pour les jambes, hein, on peut mettre des lestes hein, autour des chevilles. Hein. Allez, je reste ici, je vais devant. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. En haut, en bas. Allez, les épaules basses. J'imagine que j'ai le dos collé contre un mur. Vous laissez pas aller. Tirez, si vous souvenez, je vous parle de la fermeture éclair du pubis. Ici, jusqu'à sous le menton. D'accord ? On l'a grandi ici, la fermeture éclair. On veut pas une petite fermeture, on veut une grande fermeture éclair. Hop ! Allez, hop ! Encore. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. En haut. En bas, en haut, en bas, encore, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Allez, dernière fois, les pieds serrés. Regarde, j'ouvre à droite, je descends. Écartez-moi vos pieds. J'ouvre à gauche, je descends. Encore, on ouvre bien grand. Pointe de pied vers l'extérieur, les pieds en canard. D'accord ? Le regard fixé loin devant, les talons s'enfoncent bien dans le sol. Hein. Pousse plutôt les fesses vers l'arrière. D'accord ? On essaye de ne pas avoir les genoux qui dépassent les orteils. Allez, donc c'est important de tirer les fesses vers l'arrière. Voilà. Et toujours la ceinture. Et oui. Et toujours, j'étire la colonne vertébrale. Et souriez. Pensez aux muscles des joues. Allez. Hop. En bas. Hop. Encore. Joue. Bas. Encore. Hop. Alors j'inspire pour descendre, je souffle pour remonter. Encore. Allez, hop. Voilà. Allez, hop. Encore. En bas. Et remonte. Et en bas. Et remonte. Allez, on s'accroche. Hein. Allez, il faut que vous transpiriez un petit peu. Si on ne transpire pas, ça ne sert à rien. Allez. Encore, comme on dit, il faut s'arracher. Vous vous souvenez, on dit ça un jeudi matin. Il faut s'arracher. Allez, on reste ici, on repart la chorégraphie, les épaules. Hop. Allez. C'est quoi déjà la chorégraphie? Allez, on tire, serre le bras deux fois. Ne vous inquiétez pas, la prof va vous dire. Allez, on enchaîne tout de suite avec les kicks. Kick, allez, kick. Kick, coup de pied. C'est quoi kick? C'est coup de pied, on joue au foot. Madison, ah ça c'est bon, on connaît. Le Madison, on gère. Allez, encore. Pony Pony, ce sont les pom-pom girls. En haut, en bas, en haut. Alors vous n'êtes pas obligé de sauter à fond, hein. Ça dépend si vous avez mangé beaucoup de chocolat. Grapevine. Hop, en haut. Grapevine. Allez, talons fesses, talons fesses. Allez, encore. Maintenant le chassé, alors vous voyez pareil le chassé, je peux rester au sol. Si vous avez mangé beaucoup de chocolat, vous sautez. On repart les épaules. Allez. Encore. Allez, deux fois, je double. Double. Tirez-moi le bras
ici. Tire dessus. Encore. Kick. Je fous dans un coup de poing. Allez. Remettez-vous, hein. Retenez un petit peu hein, pour pas traumatiser le coude. Et Madison, on tape dans ses mains. Allez. Encore. Pony. En haut. En bas. Si ça va, on fait des grands ponies. On fait des grands ponies si ça va. Grapevine. Derrière la tête. Un grand soleil. Derrière sa tête. Un grand soleil. Terre en fesses. Allez, pareil, là je retiens. Ne mettez pas d'un coup dans votre coude. Hein? Contrôlez musculairement votre geste. Je ne veux pas avoir des à-coups. Sautez. Alors, touche le plafond. On repart les épaules. Allez. Encore. Allez, deux fois ces Champs-Élysées. Vous vous souvenez? Allez, encore. On refait. Allez, tout de suite, les kicks, kicks. Encore. Et le Madison. Allez, encore. Pony. En haut, en bas. Encore. Grapevine. En haut. Je remonte 4 temps. Regarde. 1, 2, 3, 4 remontes. Alors pourquoi j'envoie mes bras devant? Ben parce que le popotin, ça pèse lourd. Donc évidemment, si j'envoie pas les bras devant, ben le poids va m'emporter en arrière. Vous devez bien avoir le poids du corps sur vos talons. Vous voyez, je peux même décoller mes orteils. Vous me gardez le regard loin devant pour avoir le dos plat. Allez, souriez. C'est dur les squats. Hein. Allez, courage. Je descends. Allez, vous monte. Allez, maintenant, vous me le faites en deux temps. On y va. Un, deux, et remonte. Allez, un, deux, restez pas en apnée. Vous allez tout rouge. J'inspire et je souffle. Allez, j'inspire et je souffle. Courage, allez, hop. Et je remonte. Allez, vous me gardez le regard loin devant vous. Et je remonte. Encore. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Attention, on accélère. En bas. Allez, alors, si vous voulez que ce soit difficile, les filles du premier rang, là, qui sont costauds, on descend jusqu'en bas. Les genoux à hauteur. Les genoux. Et les fesses sur la même hauteur. Je sais que le premier rang, les cuisses, elles vont tenir. Hein, hein? J'ai des habitués des cours de sport. Je sais que ça va le faire. Mes élèves qui sont un peu moins en forme, si vous avez été un petit peu à l'arrêt, c'est un peu moins costaud là les cuisses. Vous faites des demi-squats. D'accord? Vous faites des demi-squats. Vous descendez pas jusqu'en bas. D'accord? Si vous sentez que ça le fait, vous allez jusqu'en bas. Allez. Hop. Allez. Hop. Voilà. En bas. En haut. Je sais qu'il y en a. Les squats, on peut en enchaîner des centaines. Ça va le faire. Allez, hop, allez, dernière fois. Et restez, je reste ici, je tourne. Voilà, allez. Ce que j'ai dit au début du cours, que je m'adressais à mes élèves du jeudi, je sais déjà qu'il y a des gens, s'ils voient cette vidéo, ils vont me dire, c'est pas possible que tu fais ça avec tes élèves retraités. Eh bien si, j'ai des super sportives le jeudi matin. Arrière. Allez. Allez, encore. Je peux même vous dire, on peut encore faire plus dur. Hein. Je vais vous préparer un cours de gym d'entretien avec les barres lestées parce que le cours de 9h30 le jeudi matin, là, j'ai plusieurs élèves du groupe. Vraiment, elles sont capables. Elles sont costauds. Elles sont capables de me faire les séances avec la barre jaune et tout ça. Hein. Allez, on reste ici. Et maintenant, je ferme et j'ouvre. Je souffle
J'inspire, alors méfiez-vous. Hein, vous savez bien, on a toujours tendance à relever la ligne des épaules. Obligez-vous à baisser la ligne des épaules. Mais voyez, même en abaissant la ligne des épaules, on peut être comme ça. Allez, obligez-vous, redressez-vous. Hop, allez, je ferme, j'ouvre. Je ferme, j'ouvre encore. Hop, allez, hop, encore. Hop, allez, je reste ici, maintenant je vais vers le haut. Je plie, je tends, je souffle, j'inspire. Allez, courage. Alors là, je suis aussi certaine. J'ai certaines parce que j'ai plutôt des filles. Vous êtes capable de prendre les haltères. Hein, vous les prenez si vous voulez. Hein, vous prévoyez les haltères près de vous. Vous prenez vos haltères. D'accord. Je pense aussi à celles qui ont mal aux épaules. Hein, les filles qui ont mal aux épaules, vous me faites 100. Et puis si vraiment vous fatiguez trop sur mes séries, parce que là, je vous fais des longues séries sur les bras, encore 8. Si vous fatiguez trop, vous arrêtez un peu avant, vous mettez en talon-fesses. D'accord. Vous mettez en talon-fesses. Allez, hop. Attention, on reprend la chorégraphie. Step touch. Allez, on enroule ses épaules. C'est bien, hein. Allez, faut s'accrocher. Allez, maintenant, double. Hop. Allez. Hop. Encore. Tout de suite, le kick. Kick. Je sais que c'est difficile de faire à la maison parce qu'on est seul. C'est moins motivant qu'avec le groupe. Madison, alors je vous fais faire deux ou trois fois plus dur quand nous sommes ensemble. Allez, on repart. Bonnie, en haut, en bas. En haut, en bas. Encore, en haut, en bas. Allez, tout de suite. Grapevine. Et en haut. Encore, hop. Et devant. Hop. Encore. Et chasse, chasse. Sans les bras, comme ça le cœur il monte moins haut. On chasse. Vous faites la même chose, vous voyez, vous mettez vos mains à la taille. Alors laissez pas les bras ballants. Hein. Allez, on repart. Regardez, vous faites la même chose, mais les mains à la taille. Du coup, ça permet d'être peut-être un peu moins haut au niveau du cœur. Alors, mes élèves qui sont un petit peu moins en forme, double, un peu moins en forme, ou si vous n'avez pas été très assidu avec les cours en vidéo. Kick, vous voyez, je fais exactement la même chose, mais j'ai les mains à la taille. Hein, peut-être mes élèves qui sont un peu plus âgés aussi. Allez, le Madison, vous vous arrêtez pas. Hein, mais vous mettez vos mains à la taille. Les autres, on est à fond. Allez. Hop. Pony. Ouais, je peux faire les ponies pareil. Hein. Je vais tout petit, je vais à droite et à gauche. Hein, vous savez bien. Hein. Allez. Comment vous dites déjà? Tu vas voir notre peau. Vous voyez, là, je peux moins sauter, je peux mettre les mains à la taille. Il n'y a pas de souci. Restez, on serre nos pieds. Et on descend 4 temps. 5, 6, j'attends la musique. 7, 8, on y va. 1, 2, 3, 4. Alors, vous faites attention parce que pieds serrés, ça déséquilibre. Hein. Méfiez-vous, ne vous cassez pas la figure. Ah, donc, vous mettez bien poids du corps sur les talons. Vous envoyez vos bras en avant. Voilà, on s'arrête à la ligne des genoux. On va pas plus bas. Allez, 1, 2, 3, 4, je remonte. 1, 2, 3, je triche, hein, j'ai remonté un petit peu vite. Allez, dernière fois. Et maintenant, deux temps, ça fait. 1, 2, remonte. Et 1, 2, remonte. Encore. 1, 2, remonte. Encore. 1, 2.
accélère, bas. Vous avez vu, regardez. La demi-squat, je ne descends pas jusqu'en bas. Par contre, les talons s'appuient sur le sol. Hein. Surtout, n'allez pas pousser les genoux en avant. Interdit. Vraiment les fesses vers l'arrière. Continuez. Les élèves plus en forme. Vous descendez les fesses à hauteur des genoux, mais par contre, envoyez bien les bras en avant parce que ça déséquilibre beaucoup, jambes serrées. Hein. Allez, encore. Allez, courage. On s'arrache. Allez, encore 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Avec mes bras. Alors, méfiez-vous. Baissez vos épaules. Attention, fixez les omoplates. Vous voyez, je baisse mes épaules. Je fixe mes omoplates. Vous voyez, ça relève la poitrine. J'aspire le nombril. J'engage le transverse. Il nous intéresse le transverse parce que selon s'il est musclé ou pas, on a du ventre ou on n'a pas de ventre. Et comme on n'a pas envie d'avoir du ventre, eh bien, il faut que notre transverse il soit musclé. Tonique. Allez. Allez, attention, je reste ici. Et je ferme et j'ouvre. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Hop. Allez, courage. Courage, courage, on arrive bientôt au bout de la première partie du cours. Allez. Encore. Oh là là, ça chauffe, hein, ça brûle. On a soif. Alors, vous le savez, on attend qu'il y ait de la fumée qui commence à sortir des épaules pour s'arrêter. Quand ça va commencer à fumer au niveau des épaules, on s'arrête. Tant que ça ne fume pas, on continue. Voilà. Et alors moi, je suis un chameau, donc vous savez bien. Donc et ben, on attend encore pour boire. Allez, on souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Allez, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on s'accroche. Attention, repère pour la chorégraphie, c'est parti. Step touch. Allez. C'est la dernière. Comment vous faites? Et encore. Allez. On y va. Le kick. Kick. Je vous vois. Madison. Ah ça, on aime bien Madison. Allez. Bonnet. Ah, bonnet. Et grapevine. Grapevine. Ah, ah. Allez, talons fesses. Chassez, chasse. Et chasse. Encore. C'est bientôt fini, non? C'est pas bientôt fini, c'est moi le chef. Allez, on y va! Et un, encore! Voilà! Allez, le kick! Kick! Allez, retenez votre articulation, hein, ne me mettez pas de la couille à chaque fois au coude. Hein. Madison! Ça met du temps à sortir. Allez! Encore. Bonnie. En haut. En bas.
Allez, retenez le coude. Hein. Ne me mettez pas un à coup à chaque fois. Allez, chasse. Chasse. Encore, chasse. Levez le temps, on fait ça. Et restez. Et on n'en peut plus. Allez, vous buvez un petit coup, vous installez votre tapis. On continue au sol. Allez, on passe au sol. Ne soyez pas surpris, j'ai coupé les cheveux entre le début de cette vidéo et la fin. J'ai remis ma tenue ce matin parce que nous avons du nouveau matériel et on a bugué sur le film, sur quand on a capté la partie au sol. Donc je suis obligée de refilmer. Allez, on se place, on se met sur les avant-bras, jambes droites tendues. Voilà, le dos bien plat et on va faire, alors on va pas faire la même série qu'on a... La vidéo précédente de gym d'entretien, on va faire je plie, je tends. D'accord, je plie, je tends la poitrine, c'est parti. Je plie, je tends. Je souffle, j'inspire. Hop, allez, hop. Je plie, je tends. Je plie, je tends. Alors, faut souffler quand vous pliez, inspirer quand vous tendez. Vous voyez, je ne monte pas la jambe très haut, je la retends loin vers l'arrière et je pousse sur mon talon. Vous avez vu, je pousse sur mon talon. Je plie, je tends. Je plie, je tends. Hop. Allez, vous m'en faites encore. Allez, je plie, je tends. Je souffle, j'inspire. Vous avez vu, je ramène bien le genou à la poitrine. Allez, j'ai bien les épaules au-dessus des coudes. Les épaules au-dessus des coudes. Allez, vous m'en faites encore 8. On y va. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, attention, vous restez en bas. Et là, je fais le petit chien qui fait pipi, je monte et je descends. Il n'y a pas besoin de monter très haut pour que ça travaille. Hein, j'ai même envie de dire que si vous montez trop haut, mais que vous êtes comme ça, ça ne sert à rien. Je garde la ligne des épaules face au tapis. Je garde la ligne du bassin face au tapis. Encore, je monte et je descends. Hop. Allez, en haut, en bas. En haut, en bas. Ça doit commencer à chauffer, hein. Pas forcément le fessier droit, mais le fessier gauche aussi, hein, comme il stabilise. Allez, encore, en haut. Allez, il faut souffler pour monter, inspirer pour descendre. Attention, vous en faites encore 8. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, avec la planche, gainage, attention, top, c'est parti pour une minute. Allez, j'ai bien les épaules au-dessus de mes coudes, les mains à plat, j'allonge la nuque, je pousse sur mes talons, j'aspire le nombril. Si vous fatiguez, je préfère que vous ayez un petit peu les fesses en l'air. Ne me faites pas ça, le nombril vers le tapis, je ne veux pas voir ça. Si vous fatiguez, vous levez un peu les fesses ou vous posez vos genoux. Mais vous tenez, on tient 5 minutes. Hein. Allez, c'est rien du tout une minute. Faut tenir. Allez. Une belle planche. Hein, je le redis, je fatigue. Je lève un petit peu les fesses ou je pose les genoux. Hein, mais vous ne relâchez pas. Ne laissez pas le bassin tomber vers le sol. Il reste 10 secondes, il faut tenir. Allez. Rien du tout. Souriez. Relâchez. Allez, tout de suite. Fessier gauche. On se replace, c'est parti. Allez, je plie, je tends. Je plie, je tends. Je souffle, j'inspire. Allez, quand je plie, je souffle. Quand je tends, j'inspire. Encore. Plié, tendu. Plié, tendu. Je souffle, j'inspire. Allez, encore. On plie, on tend. On plie, on tend. Je reste ici, le petit
chien. En haut, en bas. En haut, en bas. Vous soufflez pour monter. Vous inspirez pour descendre. Hop. Allez, toujours. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffre aussi. Hein. Allez, faut souffrir pour être musclé. Hop. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez, faut en faire encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste à 4 pattes, on écarte ses mains. De la largeur de son tapis, on descend de temps, on remonte en deux temps. Allez, j'inspire et je souffle. Alors, pour mes retraités, là, notamment du jeudi et du vendredi, je pense qu'à quatre pattes, ça suffit. D'accord? Donc, vous restez comme ça. Pour les autres, on écarte les genoux, on aspire le nombril. D'accord? Et on fait la même chose. On descend de temps. On remonte, on souffle. On inspire, on souffle. Je ne propose pas l'option sur les pieds, car c'est un cours de gym d'entretien. Donc je ne pense pas que j'ai le public qui fera sur les pieds. Hein, vous regarderez dans les vidéos de renforcement musculaire avec JC. Il y aura des pompes sur les pieds. Allez, dernière fois. Et relâchez. Allez, tout de suite, on se met sur le dos. Sur le dos, le pied droit sur le genou gauche. Pied droit sur le genou gauche, les doigts au bout des oreilles, on travaille les obliques. C'est parti, on monte et on descend. Allez, on souffle, on inspire. On souffle, on inspire. En haut, en bas. Encore, je souffle, j'inspire. En haut, en bas. Je monte, je descends. En haut, en bas. Encore, souffle, inspire. Souffle, inspire. En haut, en bas. Allez, tempo. En haut, en bas. Hop, allez, faut souffler pour monter. Faut souffler pour monter. Souffle. 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 Et attention, les bras un peu en pédalage. Allez, j'inspire le nombril. Bon, là, les pédalages me font travailler le transverse. Je garde bien le dos au sol. Je pose mes bras à plat. J'allonge la nuque. Ah, on essaye de mettre du rythme hein, au pédalage. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Pose le pied gauche sur le genou droit. Allez, les doigts au bout des oreilles, c'est parti, on monte en deux temps. Allez, je souffle et j'inspire. Donc vous avez vu, c'est mon épaule droite qui se dirige vers le genou gauche et non pas le coude. Hein, l'épaule droite va vers le genou gauche. Le regard, le bout du nez reste tourné vers le plafond. Monte et descend. Monte. Souffle. Encore. Je souffle. Et j'inspire. Je souffle. Et j'inspire. En haut. En bas. En haut. Attention, accélère. En haut. En bas. En haut. En bas. Allez, allez, allez.
exercice pour le cerveau. Vous vous souvenez? Souvent, on repart en marche avant, mais non, marche arrière. Les bras plats. Allez, marche arrière. Alors l'idée c'est d'aller faire la marque de la semelle de ses chaussures au plafond. On essaye de faire la marque de ses chaussures au plafond. Allez, hop, hop, hop. Allez. Encore en haut. En haut. Allez, il faut souffler pour monter. Souffle. 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 Restez ici et maintenant, je touche avec ma main droite la cheville gauche. Je touche avec la main gauche la cheville droite. En haut. En haut. Souffle. Souffle. Allez, je garde le regard tourné vers le plafond. Allez, je souffle. Je souffle. En haut. En haut. Hop. Hop. Encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On repose les pieds au sol et fessiers. Alors, j'ai les pieds largeur de mes hanches, les bras plats. Je souffle pour monter, j'inspire pour descendre, j'aspire mon nombril. Je redescends, effleurer le sol avec le bassin, mais je ne touche pas le sol. Allez, nombril aspiré. Les bras à plat, abaissez les épaules, tirez les épaules et les omoplates vers vos fesses. Allez, hop! Changer la musique, vous restez comme ceci, sur le dos.
Alors, vous êtes sur le dos. Voilà, vous allez ramener les genoux sur la poitrine. On vient placer ses bras en croix et on descend les deux genoux à droite. Ça étire bien dans le dos. Les épaules plaquées au sol. Allez, je reviens au milieu, une jambe après l'autre. Ramenez bien les genoux sur votre poitrine. Et maintenant, je descends les deux genoux à gauche et la tête à droite en gardant bien les épaules au sol. Donc mon cours de gym d'entretien, il est un petit peu moins difficile physiquement que les cours de renforcement musculaire proposés par JC et il est un petit peu plus global. C'est-à-dire que si vous avez suivi les premières séances de gym d'entretien et si vous suivez celles-ci et les suivantes, je fais un cours grosso modo où je travaille un petit peu tout le corps dans sa globalité sans faire des choses trop difficiles pour que ça puisse s'adresser à un public assez large. Voilà, c'est pour ça que je le nomme gym d'entretien. Je vous lâche là, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que Génération Fitness est pour les petits et les grands. Pensez à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un commentaire pour nous encourager. Je ne vous cache pas que nous sommes maintenant début février et que nous sommes donc à filmer les vidéos depuis
début novembre. Et c'est vrai que ça nous pèse beaucoup de ne pas avoir nos élèves face à nous. Donc voilà, n'hésitez pas à marquer j'aime, à marquer un commentaire, à partager si ça vous a plu. Et puis à nous dire si vous avez envie qu'on continue ou pas et si vous avez suivi les cours en vidéo. On vous embrasse, moi et JC, enfin JC et moi, pardon. Et on vous dit à une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.